Rebonjour tout le monde. Alors voilà donc le petit haul de chez Action, puisque Michel était allé chez Action cet après-midi. Je lui avais demandé de me ramener quelques trucs, et puis comme d'habitude, il manque toujours les choses que je voudrais, quoi. Bon, donc elle m'a ramené quand même la pâte durcissante que j'avais besoin pour mon prochain tuto, mais. Le principal truc qui manquait, je vais vous dire ce que c'était que je voulais, c'était un gros ballon. Vous savez, les ballons gonflables, mais pas les normaux, enfin pas un normal, c'était un plus gros. Mais ils n'en avaient pas, donc bon, des normaux j'en ai, donc voilà quoi. Hein. Donc elle m'a ramené la pâte durcissante à 1,49 au rayon enfant, comme toujours. Alors je lui avais demandé de me ramener des chocolats, donc elle m'a ramené... Oh, une dizaine de paquets, comme ça et comme ça, hein, parce qu'il m'en faut pas mal pour donner aux enfants à Pâques et pour mettre dans. C'est pour faire le fameux tuto. Ce sera pour lundi ou mardi, parce qu'il y aura quelques jours de séchage. Alors, donc, voilà. Alors, elle m'a pris ça. C'est super joli, mais bon, j'en ai pas franchement l'utilité. Moi qui suis en train de débarrasser. Tout ce que j'ai, elle m'en rachète encore, quoi. Mais bon, ça fait rien, c'est joli. C'est du rose, bon. Alors ça, c'était 84 cents. Bon, c'est pas cher, c'est vrai. Je mets directement à côté dans le sac parce que, voilà, je lui avais demandé de me ramener un peu de déco de Pâques parce que si je vous fais un tuto, il me faut quand même quelques verdures, quelques fleurs, quelques petits trucs de Pâques. Donc voilà, alors... Ça, c'était 99. Bon, c'est un petit peu cher pour quelques fleurs et un peu d'herbe, mais bon. Alors, elle m'a ramené deux petits poussins. Enfin, les deux petits nids. Alors, c'est marrant parce que là, il lui manque un œil. Et là, il lui manque un œil. Alors, bon, c'est pas grave. Je rajouterai des petits points. Point noir pour leur faire des yeux parce que on peut pas les laisser avec un œil, les pauvres. Alors ça, c'était 72 cents. Voilà. Ensuite, elle m'a repris des pinces à linge parce que je lui avais demandé. Alors elle m'a pris deux paquets de pinces à linge. Et bien parce que les pinces à linge, on peut faire plein de beaux jolis trucs avec les pinces à linge. Et moi, j'ai envie de faire parce que dans la cuisine. On a un dessous de plat, vous savez, quand on sort le plat du four, on a un dessous de plat comme ça qui est assez grand mais qui est en verre. Et à chaque fois quand je pose des plats lourds dessus, j'ai toujours peur de le casser et de me brûler. Alors j'ai dit non, mais attends, tu sais quoi, je vais faire un joli dessous de plat en pince à linge. Et ben donc, ben on fera ça ensemble, comme ça, si vous voulez le faire aussi. Voilà. Ensuite, elle a acheté un petit. C'est une petite bonbonnière en fait, mais bon. Nous, on va s'en servir comme sucrier parce que la dernière fois, on a cassé le sucrier et puis donc, on aime bien avoir un sucrier quand même si quelqu'un vient boire un café. Voilà. Ensuite, elle m'a pris ça, une petite déco. Alors ça, par contre, c'est très joli. Il y a des petites fleurs, il y a des grandes fleurs, là, j'aime bien, avec les petites coccinelles. J'aime bien le tour avec la barrière. J'aime bien le petit lapin. Mais bon, tout ça, moi, je vais tout enlever pour changer, pour faire autre chose. Hein. Alors ça, c'était 1,59. Voilà. Ensuite, elle a pris un gros lapin en chocolat qui était, je crois, à 89. Voilà, je le remets dedans. Elle m'a pris deux paquets de bâtons. C'est moi qui lui avais demandé aussi, bien sûr. Alors, ils étaient à... J'avais noté le prix tout à l'heure. Ça y est, je m'en rappelle plus déjà. Bon, de toute façon, vous savez, ils sont pas très chers les bâtons. Ça m'énerve parce que j'avais noté le prix. Je crois que c'est 99. Hein. Ouais, ça doit être 99. Bon, je sais plus. Elle m'a ramené des perles comme ça. Alors, je les adore, ces perles. Elles sont trop, trop, trop belles. En plus, dans les couleurs pastel comme ça, mais je les adore. Alors, j'en avais déjà une boîte, mais je lui ai demandé qu'elle m'en ramène. Une autre boîte. Celle-là, je vais les garder parce que je les aime beaucoup. Et puis ensuite, elle m'a ramené des albums. Alors, les albums, je lui avais dit de plus m'en ramener, mais bon,
Je lui avais pas, je lui avais, enfin, je lui ai pas dit de pas m'en ramener, mais je lui avais dit que je me servais pas trop des albums, quoi. Mais ils sont tellement beaux, regardez. Comment qu'ils sont beaux. Franchement, ça donne envie de faire quelque chose avec, quoi. Il est magnifique, celui-là. Ça devait être celui de l'automne, je sais pas, mais ça fait rien. Il est super joli. Ah, j'adore l'écossais, là. Oh, il est magnifique. Bon, bah, à force de voir tous ces albums, ça me donne quand même envie de faire des trucs avec. Des fois, je me dis, je pourrais quand même faire de jolies cartes. Oh, celui-là, il est trop beau. Alors, celui-là, il s'appelle Happiness Bloom. Bon, c'est les fleurs, quoi, hein, mais il est trop beau, quoi, celui-là. Regardez-moi ça. Les jolies fleurs. Les jolies couleurs. Oh là là. Mais celles qui font des albums et tout ça, elles doivent être au paradis avec tous ces beaux papiers là. Il est trop beau celui-là. Il y en a encore un, c'est pas fini, hein. Alors celui-là, c'est Follow the Sun. The Sun, le soleil, ah oui. Ah, les tournesols là-bas, ça. Ah oui, voilà. Il y a beaucoup de tournesols. C'est joli les tournesols aussi. Les fleurs du soleil. Ouais, il y a pratiquement que des. Ah ouais, papier à pois, j'adore. Ah, moi et mon papier à pois. Il est magnifique celui-là aussi. Voilà, il y en a encore un, bien sûr. Alors celui-ci, Take Me de Ocean. Alors voilà. Ah, des pois. C'est bien ça. Oh, mais ils sont tous à pois. Ah oui, là c'est la mer, hein. Des couleurs. Oh là là, que c'est joli. Oh, la grosse tortue. Oh, j'adore les tortues. Il est trop beau celui-là aussi. Pour ceux qui aiment la mer et tout ça, waouh, c'est vraiment joli. Waouh, elle est belle celle-là. Très beaux albums en ce moment chez Action. Voilà, alors les albums sont toujours à 2,69, je crois. Hein. Ils sont toujours au même prix. Voilà, mais c'est tout ce qu'elle a acheté chez Action. Hein. Et la vilaine fille, regardez ce qu'elle m'a ramené de chez Lidl, parce qu'elle était au Lidl. Parce qu'il est juste à côté du Action. Elle me regardait ce qu'elle m'a ramené. Un gros pot de guimauve. Moi qui lui dis que je veux faire régime, qu'il faut que j'arrête de manger des bêtises. Elle me ramène ça. Elle me dit, oh tiens, je t'ai acheté ça parce que comme tu avais tellement mal ce matin. Parce que ce matin, hein, je pleurais tellement que j'avais mal. Alors elle dit, oh je t'ai acheté ça, ma pauvre, parce que tu avais trop mal. Oh, elle est adorable. Mais bon, je ne devrais pas à manger de ces cochonneries là. Je vais essayer de pas trop en manger de toute façon. Voilà. Alors, je vais commencer à faire votre tuto parce que il va mettre quelques jours à sécher. Donc, il sera certainement pas fait avant, je pense, avant mardi, mercredi peut-être même. Parce que c'est assez long. Peut-être qu'entre-temps, je vais essayer de vous faire un autre tuto. Demain, c'est la fête des grands-mères. Je ne savais même pas. Mon fils vient de me téléphoner. Il me dit. Je te ramène Julia demain matin, elle reste un peu avec toi si tu veux, puisque c'est la fête des grands-mères. Ah bon? Je savais même pas que c'était la fête des grands-mères demain. Oh la honte. Alors demain matin, elle va passer la matinée avec moi, mais je sais pas si on aurait le temps de faire un tuto ou pas. Ça dépend si j'ai mal ou pas. Alors bon, ben on verra demain matin. Moi, je suis déjà contente qu'elle vienne, que je la vois, que je peux la serrer dans mes bras. Voilà quoi, hein, le plaisir de la revoir, quoi. Je vais quand même essayer de vous faire ce tuto pour, ben je vous dis mardi ou mercredi parce qu'il faut un temps de séchage plus ou moins long quand même. Donc, bon, j'espère que ça vous plaira. Moi, je vais faire ça. Ça va être une grosse surprise pour Julia. Elle va être étonnée. Voilà, ce sera pour Pâques, pour Julia et son frère. Et puis. Elle va être bien surprise.
Voilà, bon ben moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite ben, une bonne soirée. Moi je vais regarder, je sais pas, peut-être The Voice en crochetant si j'arrive à crocheter. Alors, et puis voilà quoi. Hein, bon week-end. Au revoir tout le monde. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis ben, à lundi ou mardi ou mercredi. Au revoir tout le monde.